dimanche, l'Église existe pour faire de toutes les nations des disciples. Ishengere ryacu riri hari kugira ngo rihindure amahanga yose abigishwa. Ce n'est pas pour créer juste des églises de dimanche. Et ishengere ryacu tirarubwira ngo iri byamashengero akorana kwa Mungu. Mais pour faire des gens qui ont cru des disciples de Jésus. Ariko rihagira ngo rihindure abizeye umwami Yesu abigishwa biwe. Pourquoi? Le christianisme Christ est un appel à la communion avec Christ. Ubu Kristo numuhamagaro ukugiranira ubucuti na Kristo. Communion veut dire ubucuti cyane ukunywana bisigura partage ubusangira. Je voudrais qu'on lise un verset là-dessus. Nagira dusome umurongo kuri ibyo. Il parle de Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils. Havuga Imana yahamagariye abantu kugiranira ubucuti n'umwana wayo. Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Imana iduhamagara kugiranira ubucuti n'umwana wayo. Dieu ne nous appelle pas au hasard. Imana iduhamagara mu by'igihamana. Le christianisme est un appel. Ubu Kristo numuhamagaro à la communion, au partage avec Jésus. Ubu Kristo numuhamagaro wo kusangira, wo kunywana, wo kugiranira ubumwe na Yesu. Nous allons travailler à une seule chose, vous former comme formateur de disciples. Tu dois croire comme disciple formateur de disciples. Oui, toutes les réunions qu'on va avoir. OK. Ama kurande tuzogira muri 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 yindwi. Je crois que ce sont nos dirigeants qui sont là. Ah la fache kora barongozi bacu. Et si tu ne l'es pas, deviens-le. Nimuta murongozi na. Ndi ku murongozi. Alléluia. Tu vas pas faire ku murongozi. Donc nous sommes là. Tu ringare yero. Pourquoi? Kubeki. Pour faire des disciples qui vont faire des disciples. Qui comprend ça? Des disciples qui vont faire des disciples. Pourquoi nous faisons ça? Hein? Soma, encore un chapitre. Ça a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas de micro. Le microphone est là. Imana ni wa. Yabahamagariye kugirana ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Donc que Dieu soit que Dieu agisse envers nous selon sa fidélité. Tugomba kwimana ikorana muri twebwe ikoresheje. Nous devons demeurer dans son plan. Ihagaze ubwizigwa bwayo dutegerezwa natwe kuba mu mugambi wayo. Dans son appel. Umuhamagaro wayo. Son appel. Umuhamagaro w'Imana. C'est la communion avec son Fils. Ni ukugirana ubucuti n'umwana wayo. Et écoutez ce que ce verset dit. Umviriza icy'umurongo uvuga. Il dit Dieu est un. Dieu est fidèle. Ugambi kuvuga ngo Imana ni ukwizigirwa. Imana ni ukwizigirwa. Écoute, si nous demeurons dans son appel, tugumye umuhamagaro wayo, frère, il nous a garanti que si nous faisons ça, ce qu'il veut, lui-même sera avec nous. Dieu est fidèle. De, il nous a appelés à la communion de son Fils. Il ne nous a pas appelés à diverses manifestations, à diverses, je ne sais pas quoi. Mais il nous a appelés à la communion de son Fils. Il
C'est dans la quand nous marchons dans la communion de son fils, Dieu est fidèle. Les gens ne voient pas Dieu agir dans leur vie tant qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas dans la communion du Fils. Demande à ton voisin. Bon, si tu comprends ceci, il est important de savoir qu'est-ce que c'est. La communion du Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? La communion du Fils veut dire partager avec le Fils sa vie, c'est-à-dire sa façon d'être et sa façon de faire. Tu comprends? Devenir de plus en plus comme lui. Partager. Tu es en communion avec moi quand tu partages ce que je suis avec moi et ce que j'ai. Communion veut dire partage avec. Dieu nous a appelés à partager avec son Fils. Sa vie, son esprit, sa façon de faire, sa façon d'être. Tu comprends? Si nous sortons de là, nous avons été sauvés gratuitement. Nous avons reçu de Dieu le pouvoir. Mais ce pouvoir, c'est pour quoi faire? C'est pour communier avec Jésus, c'est-à-dire partager avec Jésus-Christ sa vie, sa façon d'être et sa façon de faire. Tu comprends? Si nous sortons de là, nous sommes déjà dans la religion. Nous pourrons faire une belle religion, mais ça ne dit rien à Dieu. Qui saisit? Qu'est-ce que c'est la communion avec le Fils? Communier avec Jésus, c'est être disciple de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui suit l'exemple de Jésus. C'est ça, communier. C'est à cause de ceci, de cette communion avec le Fils, que notre appel se résume en une seule chose. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Écoute, nous ne sommes pas appelés à autre chose. Nous devons fonctionner de manière à être nous-mêmes des disciples, c'est-à-dire des imitateurs de Jésus, et à faire d'autres que Dieu nous donne des disciples. Ce qui nous intéresse, c'est comment fonctionner pour pouvoir être et faire des disciples. Voilà ce qui est important. Chaque chose que vous faites en tant que personne, en tant qu'église, posez-vous la question,
Est-ce que c'est en communion avec Christ? Est-ce que c'est pour nous faire comme Jésus? Est-ce que c'est pour nous faire comme Jésus? Qui saisit? En tant qu'église, je voudrais que nous voyons notre fonctionnement. Quel fonctionnement faut-il que nous ayons pour produire des disciples et non produire des religieux de dimanche? Vous allez comprendre l'importance de certaines choses qui semblent être négligées. Pour former les disciples, Jésus dans Matthieu 28, avant de partir au ciel, a laissé une seule commission à ceux qui lui appartiennent. From Matthew 28, commencez par 17. La chose est tellement importante. L'Église est ballottée aujourd'hui dans tous les sens parce qu'il ignore cette condition. Dieu nous a rappelés spécifiquement à cela. Pour que si nous réussissons à le faire, d'autres frères voient et qu'ils puissent imiter. Écoutez-moi bien. Pas que nous les imitons. Qui comprend? Les saints sont appelés à poser un modèle de formation des disciples pour aider les frères, par exemple, à revenir à la formation des disciples. Notre appel n'est pas de faire comme les autres églises parce que si c'était correct, ça produirait des disciples. Bien, regardez. Je suis un disciple faisant des disciples. Déjà ici, il y a des gens que j'ai produits directement qui sont en train de devenir comme moi je suis. Levez-vous. Je les forme directement à être comme Christ. Ça, c'est la formation de disciples. Ils me doivent de l'imiter, de faire ce que comme je fais. Ainsi, si demain vous entendez que je ne suis plus, il n'y aura que des milliers de petits et non des petits. C'est la formation de disciples. Chacun d'entre vous qui s'est levé, si je médite, méditez. Si je médite deux fois, méditez deux fois. Si je prie, priez. Je veille, veillez. Je prêche chaque jour, C'est ce que Jésus a fait. Je travaille de mes mains pour vivre. Et ne pas être un trop lourd fardeau pour les frères. Faites pareil. Qui comprend ce que nous faisons? Maintenant, ceux s'ils me suivent, alors que je suis Christ, à travers moi, ils suivent l'exemple de Christ. Ceux qui les suivent, en tant qu'ils nous suivent, suivent aussi Christ. Ils deviennent de plus en plus comme Jésus. Voilà le modèle. Asseyez-vous. Comment donc l'Église doit s'organiser pour que les gens deviennent des disciples et forment des disciples? Vous avez dit que 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 vous avez dit que
Nous ne pouvons pas former les disciples en fonctionnant n'importe comment. La formation des disciples demande des relations personnelles. Hein? Qui a avancé plus dans l'autre et le conduit sur l'autre. Tu comprends? Nous donnons les enseignements, mais pour que tu vives ces enseignements. Il faut quelqu'un qui les a vécus ou qui prend la main et qui dit je fais comme ça, fais ça avec moi, tu fais avec lui, tu apprends comme ça. Et après comme mon nom, Christ a comme ça, Gira Moko, Nikona Kora, Naokami Kora, Hama, Gahindu Kumi, nous ne pouvons pas nous être, nous permettre d'être juste une religion où les gens se rencontrent le dimanche. C'est une affaire des relations intimes. Qui commence par une famille spirituelle. Vous voyez, socialement et humainement. Où est-ce qu'il y a les plus fortes relations? Dans la famille. Dans la maison. N'est-ce pas? C'est là où les relations commencent. Nos églises, c'est d'abord. Et si nous voulons former les disciples, nos églises, qui va prendre au sérieux en consomme d'abord des assemblées de maisons. A Gomba, vous faites un ama, vous avez dit, je crois, si vous tuez ça, à ma chengriachu, ni à ma cour à Mario Mazu. Des assemblées. À ma cour à Mario Mazu. Nos églises, ce sont des assemblées. À ma chengriachu Mazu. Ça là. C'est des centres pour nous retrouver le dimanche, louer Dieu ensemble, gagner les âmes. Et tenir des grandes réunions comme celle-ci. Mais le fonctionnement de l'église, c'est des assemblées. Aïko, où vous dites ma vie, Shengero, si tu n'es pas dans ces assemblées, tu ne peux pas devenir disciple. Où t'as mis Kouraniro, tu l'as commis du choix. Tu comprends? N'indabdoum. La question qui me dérange. Et qui nous réhéro? Et qui va te qui va du? Pourquoi il y a des assemblées, mais pourquoi fonctionne-t-il mal? Est-ce que ton assemblée fonctionne correctement? Ils ont été bâtis et ils ont grandi dans les assemblées de maison. Tous. Ils sont devenus des pasteurs à partir des assemblées. Comment se fait-il aujourd'hui que les assemblées tirent? Il y a des problèmes à plusieurs niveaux. Le problème, c'est d'abord qui est le pasteur. Comme tu le sois, le deuxième problème, l'assemblée est organisée comment? Parce qu'il y a un fonctionnement qui. Si vous ratez ce fonctionnement, l'assemblée ne fonctionnera. Les gens seront juste découragés d'y aller. Qui a vu que les gens se découragent de venir à l'assemblée? Qui a remarqué ça? Pourquoi? Alors que c'est là qu'il devait y avoir la famille. Pourquoi? Qui va nous dire? Nina gomba kutubwira. Selon son constat. Agerageje kurabe icyo amaze kubona kiba cyaje. Est-ce que les gens viennent dans ton assemblée avec zèle? Ikibazo ngiki. Bega abantu baraza mu ishengero ryo mu byawe ni numwete.
Oui ou non? Ishura. Pourquoi il s'absent? Pourquoi il s'absent? Mambuni, quoi, quoi, taza, quoi, rihunga? Mambu, va. La cause qui ne vient pas, c'est à cause des préoccupations quotidiennes, l'occupation de la vie. Écoute, pourquoi toi tu es de l'Assemblée? Tu n'avais pas de soucis de la vie. Oui, non, il va te voir ce mot. J'en avais. Bien, l'Assemblée avait quelque chose qui t'attire. Cette chose-là, ton assemblée ne l'a pas. Il n'y a rien qui attire. L'assemblée ne fonctionne pas de manière à attirer les gens. Assemblée, ouais, ni corona, qui quéga van. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà le problème réel. Le fonctionnement. Ingeli assemblée, il va y avoir. Qui comprend? Je vous pose une deuxième question. Pour que vous compreniez votre problème. Tu as vu que même les frères et sœurs certains vont dans les Mahombi. Lève la main. Bien, je vais vous poser la question. Pourquoi il préfère aller dans le Mahombi au lieu de venir dans ton assemblée? Vous savez, les pasteurs devraient avoir honte. Pourquoi un frère préférerait-il aller dans le Mahombi que d'aller dans ton assemblée? Pourquoi un frère préférerait-il aller dans le Mahombi que de venir dans son assemblée? Dis-nous. Oui. Il va afin qu'il soit exaucé de leur fardeau. Les gens préfèrent aller dans les Mahombi parce que ils ont l'illusion que là-bas on s'occupe de leur fardeau. Chez toi à cœur et où tu jeûnes pour que ce jour-là Dieu les exauce à son Il n'y a pas de pasteur. Ils m'ont coûté la peau de dos.
Ati, jana nsenye mukongo ndabikoreye. Les cheveux blancs ont poussé sur ma tête. Oui. Les mois où je cherchais, ils étaient, c'est pas une vingtaine, et je devais chercher chaque mois. Je devais trouver 3 millions chaque mois. Les cheveux blancs ont commencé à pousser. C'est ça être un berger. C'est porter les problèmes des gens par cœur. Nous devons nous repentir d'être si méchants. D'être si méchants en jouant les assemblées. La réunion qui fait vivre les assemblées. On ne prie pas pour autre chose. Si Dieu a exaucé. S'il n'a pas exaucé, on prie encore. On a des pasteurs dans l'air. Et qui veulent tout faire par imposition des mains. S'il vous plaît, est-ce que l'imposition des mains va donner le haricot à quelqu'un? Non. Qu'est-ce qui va donner le haricot à quelqu'un? C'est Dieu exaucant la prière. Parce que pour plusieurs d'entre vous dirigeants, l'imposition des mains est devenue la quinine qui règle toutes les maladies, tous les problèmes. Le pasteur est celui qui a la capacité de porter quelqu'un devant Dieu et d'amener Dieu à les aussi. Dans la prière et le dirigeant d'assemblée, c'est celui qui crie à Dieu pour que les frères soient bien. Il est le pasteur. Qu'il soit une femme ou qu'il soit un homme. Qui dirige une assemblée ici? Lève-toi. Vous savez votre tâche. C'est d'amener les frères à partager la parole de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a un chômeur, vous devez prier jusqu'à ce que le travail soit là. Est-ce que vous comprenez? Si le champ de quelqu'un ne produit pas, vous priez qu'il produise. Qui comprend? Il doit avoir une réunion spéciale chaque semaine dans la prière et le jeûne pour ceux qui peuvent jeûner pour ça. Ceux qui ne peuvent pas, pour que Dieu exauce son peuple. Le fait de ne pas faire ça, c'est ça qui a tué vos assemblées. Chacun cherche celui qui va porter ses fardeaux. C'est ça que le but. Tu ne portes pas les fardeaux de quelqu'un. Pourquoi veux-tu qu'il vienne à la réunion? Pour faire quoi? Les disciples ne sont pas formés le dimanche avec la prédication. Dans le partage de vie qui a lieu dans les maisons.
L'assemblée est le lieu de partage. C'est-à-dire le lieu de communion. Qu'est-ce qu'on partage dans l'assemblée? 1. On partage la vie de Jésus. 2. On partage le fardeau. On partage la parole. 4. On partage les bénédictions que Dieu nous donne. Dieu m'a béni. J'arrive le jour, l'assemblée dit, frère, Dieu m'a béni. Voici un petit repas que j'ai fait pour vous. On finit la journée, tout le monde est content. Mais nous avons transformé les assemblées en réunions où une seule personne bavarde jusqu'à ce que tous les autres s'endorment. Voilà pourquoi les gens fuient les gens. Nous en avons une expérience à Bujumbura, mais j'étais encore le pasteur. Un jour, il s'est venu nous dire, ils avaient un d'assemblée. Si vous n'enlevez pas ce frère des gens d'assemblée, vous n'allez toucher personne. Aujourd'hui, il nous a dit comment les poules étaient malades et il a imposé des mains aux poules et les poules étaient guéries. Si ta poule a guéri, ça fait quoi? J'ai des problèmes. Toi, tu viens me dire que ta poule, tu as imposé les mains, elle a guéri. J'ai besoin de trouver l'argent, par exemple, pour envoyer mon enfant à l'école. Et il y a quelqu'un là qui dit Alléluia! Il n'a pas à cœur les vrais problèmes qu'il devait traiter. Il devait le conduire à Dieu, crier à Dieu avec moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi vos assemblées sont bien. Un pasteur est quelqu'un qui porte le fardeau de ses brebis. Il y a les mercenaires. Ils veulent avoir les brebis. Et les manger. La Bible dit, ils ne se mettent pas en peine pour les brebis. S'il te plaît, les gens d'assemblée, levez-vous. Vous êtes des grandes personnes, mais maintenant je veux que vous. Et tous ces gens qui sont dans l'église depuis et ne sont pas dirigeants de quelque chose, vous allez me dire ce que vous attendez. Tout le monde va devenir dirigeant d'assemblée. Pose une seule question. Est-ce que tu te mets en peine les gens qui sont sous? Pour eux, dans leurs problèmes,
C'est quoi? Igiti utanga. Qui peut me dire? Indagoma kumara igiguza tanga kubwe ntamba ziwe. Oui, dis-moi. Barira hewe. Dans l'assemblée que je dirige, s'il a un besoin, si j'ai l'argent, je l'aide. Bien, ça c'est une part. Mais c'est tout. Tu n'es qu'un nom. Et tous les problèmes qu'ils ont. Il faut que tu deviennes une banque. Le problème, c'est que tu ne peux pas résoudre le problème. Ça, c'est une manière de faire, mais ça ne résout pas le problème. En faisant ça, la meilleure chose que tu ferais pour eux, c'est une journée où tu jeûnes pour que Dieu les exauce et tu pries avec eux pour le problème de chaque personne jusqu'à ce que Dieu se mette à agir. Pourquoi tu ne diriges pas l'assemblée? Eh oui, pourquoi? Pourquoi il n'a pas d'assemblée qu'il dirige? Tous ces gens qui sont là depuis là, vous ne dirigez pas l'assemblée, vous voulez que Dieu vous prenne au sérieux. Tu t'assieds là. Tu vas me dire. Quelle est la paix que tu te donnes? Il n'y a pas un jour dans la semaine que tu as fixé. Je vais crier à Dieu. Je vais jeûner, je vais crier à Dieu. Oh, si moi je conduisais ton assemblée, écoute, tu serais venu. Heureux celui qui tomberait. Ils ont été dans mes assemblées. Tu es là, tu as envie de rester. Il n'y a pas question de fuir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le grand âge. Prends la gauche, prends la droite. Mais tiens chaque personne. Par les prières, par les soins. Qui comprend? Devenir ses bergers. Dis à ton frère, deviens ce berger-là. Qui se met en peine pour ses brebis. Sois en peine pour tes brebis. En peine pour tes. Asseyez-vous. Qui comprend pourquoi les gens fuient nos assemblées? Qui a compris? Parce que personne n'est en paix pour leur. Personne. Vous tous là, tu es de la Sainte-Église. Tu vas devenir un dirigeant d'assemblée. Tu es de la Sainte-Église. La prochaine fois que j'ai ici, je suis ici. Vous partez planter les assemblées. Même si c'est deux ou trois personnes, vous commencez à dire. Écoutez, il y a une grâce. Vous voulez ça? Arrive au bout de porter les brebis de Dieu. Vous le couvrez. Arrive au bout. Vous prenez quoi là? C'est que Dieu te porte toi. Parce que si tu tombes, il sait que plusieurs vont. La faveur que j'ai de bon Dieu, ce n'est pas celle que tu as. Parce que ma faveur, si Dieu ne m'accorde pas la faveur, plusieurs vont périr parce que je m'occupe de plusieurs. Voilà l'avantage d'être dit. Dieu s'occupe spécialement de toi. Dieu s'occupe de toi.
Imana irakutwararika igihe utwararika n'Imana. Occupe-toi bien de tes brebis. Utwararika n'Imana z'Imana, Imana izokutwararika. Pour pouvoir former ici. Kugira ngo ushobore. Nous devons avoir des assemblées de maisons solides. Kugira ngo ushobore kugira ngo dushobore kugira abigishwa tuzogira amakoraniro mazu ashikamye. Avec essentiellement deux réunions. Tufise amakoraniro abiri muri une réunion de partage de fardeau. Qui aimerait participer à une réunion où on prie avec violence pour ses problèmes? Qui aimerait y participer? Lève la main. Tu aimerais participer à une réunion régulièrement où l'on prie pour tes problèmes. Lève la main. Il n'y a personne qui va manquer. Non, nous ne sommes pas ici. Il y a un manque d'avant les gens parce qu'on n'est porté pas là-bas. J'ai porté avec lui le problème de sa maladie jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Priant, exhortant, enseignant. J'ai porté avec lui. Lui alors, je ne sais pas où il se serait. J'ai porté jusqu'à son mariage. Il y a même une autre qualité de femme qu'on a d'abord fallu embrasser. C'est toi qui avais. C'est elle qui te plaisait. Prenez soin des brebis que Dieu vous donne. Bene data, it qua le sinami mani va. C'est si dentro. Vous avez entre vos mains des enfants de Dieu, des gens qui sont comme la pupille de l'œil de Dieu. Comment prendre soin? On fixe une réunion par semaine. Alors, à partir, quand je quitte ici, chaque assemblée demain, c'est une réunion. D'ailleurs, vous les gars, le passage, tu vas travailler avec les dirigeants d'assemblée pour que ça fonctionne. Et tu dois marcher d'assemblée en assemblée avec ton épouse. Mais les frères, à prier en sorte que Dieu les exauce. D'un enseignant qui enseigne son peuple. Il croit à Niro. Frère, quel
Quel est ton fardeau? Il donne son fardeau. On bombarde. Et je demande que chaque personne prenne ce fardeau dans son cahier. Il va continuer à prier dans la semaine. Une telle assemblée. La bénédiction du ciel. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais c'est tout très léger. Alors qu'on peut aussi le créer. Les gens vont finir dans les mains. Abantu bazizamba nyuma de nabo kuno nane kwa resource bere bazabanya no kubapfuma parce que il y a pas de pastora kuko ntabumbye rwa buhari tu comprends ndere kazu je ne sais pas comment vos assemblées sont organisées mais ça doit être organisé comme ça c'est vrai que ma corolle ya ni na ariko ko kwiza gukora gukora ibintu bimwe pour porter les fardeaux des saints dans le jeûne des jeunes. Ceux qui peuvent pas jeûner les jeunes, ceux qui ne peuvent pas jeûner les jeunes pas, mais tout le monde vient, on prie. Et là, ça veut dire que nous n'avons pas de fardeaux des saints. Et là, nous n'avons pas de ce n'est pas pour le faire, mais que vous priez. Ah, oui, là. Allez, Coréo. Nipa, avant de nous priez, nous n'avons pas de saints. Quand nous n'avons pas de saints, nous n'avons pas de saints. Ce n'est non plus pour lier le prince du quartier pour que les enfants soient sauvés. Oh yeah, c'est les gens qui viennent là, ils ne savent même pas ce que c'est le prince. Si, 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 des assemblées. Vous assurez que cela fonctionne. Ça, c'est la première raison pour laquelle les disciples ne sont plus formés, c'est que les assemblées fonctionnent mal. Les brebis n'ont pas les soins. Et ils se dispersent. Donc il faut deux réunions dans chacune de nos assemblées. À quelle heure va courir Aviri? Une réunion pour partager les fardeaux les uns des autres. Une deuxième pour partager l'enseignement. Ce n'est pas pour enseigner, mais partager l'enseignement qui a été donné. Par exemple, comme j'enseigne là. On arrive dans l'assemblée. Le dirigeant de l'assemblée dit on remercie le Seigneur, on commence. Il dit frère, l'enseignement qu'on nous a donné tel jour, qu'est-ce que tu as reçu? Il part. Les autres apprennent comme ça. C'est comme un échange. Pour la formation des disciples, l'assemblée doit fonctionner comme ça. Ça, c'est une des choses. Il y a trois choses. Chacun doit avoir un faiseur de disciples. C'est-à-dire quelqu'un qui se charge personnellement de lui. Qui s'occupe de lui, qui a une relation particulière avec lui, qui est son grand frère, un de ses grands frères dans le Seigneur. Tu comprends? Il lui montre donc son cahier de méditation. Il dit bon, cette semaine, lisons la Bible.
lis tel nombre de chapitres. Et chaque jour, moi, je vais lire tel nombre. Tu comprends? C'est la vie. La nécessité d'avoir fait cette si. Frère, ramenez ces choses à la pratique. Toi, il doit avoir un pasteur, un plantateur d'assemblée qui passe d'assemblée dans chacune de ces assemblées après un certain temps pour raviver ces choses. Atagaza kuba umurongozi umupastori umwungere ateza kugenda muri ayo masambre kugira ngo agarukane gushinga neza ibyo bintu. Prenons l'exemple. Nakarorero. Tu es dans une assemblée. Or mu gishengero kana. Yo mu nzu. Yo mu nzu. Sei si. Sa. Urwahe. Kibago. Ok. Prenons aussi. Et quand tu fais dans une assemblée. Inde ou un gars macabre qui s'en tient là. Est-ce que le pasteur un jour venu dans votre assemblée? Alors, si le pasteur a besoin de vous, il y a des gens qui ont dit que tout. Le pasteur doit s'occuper de ses brebis directes correctement. Le pasteur, il a une relation spéciale avec chaque dirigeant. Et il fait des tours. Il donne ses soins à ses troupeaux. C'est-à-dire qu'il visite régulièrement les assemblées, fait les tours, recommence, fait les tours et recommence. Tu peux me dire quand est-ce que ton pasteur est venu dans ton assemblée? Quand a le pasteur est venu dans ton assemblée? La dernière fois c'était quand? Il est venu. Le mois passé il est venu. Voilà, applaudissons pour Jésus. Il doit commencer à marcher ce coin. Là les assemblées vont fonctionner. Ah mais ça, mais ils ont gagné des âmes. Parce que ce que le pasteur abandonne, les gens l'abandonnent. Kuko et mon pasteur, madame, si vous ne voulez pas que je vienne ici la prochaine fois avec un long bâton, toi et ton mari. Tu es une femme de prière. Pourquoi tu n'es pas venu d'assemblée en assemblée pour qui avec les gens leurs femmes? Pourquoi tu ne fais pas ça? Le berger qui s'occupe de ses propres affaires est un berger perdu. Écoutez, j'ai des problèmes. Je les laisse pour résoudre les vôtres. Je les laisse à Dieu. Dieu s'en occupe. Les gens disent qu'ils ont des problèmes. Ils n'ont même pas de problèmes. Moi, j'en ai des vrais. Mais je ne les suis pas. Alors que Dieu s'est dit, je suis le plus. Tu comprends? Voilà trois points où nous sommes en train de négliger les choses. Écoute, toutes les réunions que vous ferez en dehors de ça, c'est secondaire. Ça ne formera pas les disciples. Si vous mettez une grande réunion ici le lundi, une autre grande réunion le mercredi, ça ne formera pas les disciples. Mais vous comprenez ce que je dis? Tu es pasteur, ça veut dire que chaque assemblée représente un troupeau.
Prenez Proverbe 27. Il dit, donne tes soins à tes troupeaux. Le pasteur a plusieurs troupeaux. Chaque assemblée est un oiseau. Si ce mois-ci il passe dans cette assemblée pour conduire, pour porter les fardeaux des gens, la prochaine fois il passe dans l'autre pour conduire les gens à partager la parole. Il apporte ainsi ses soins à ses troupeaux. Cette fois-ci, il est passé pour partager les fardeaux des gens avec eux. La prochaine fois, il va passer pour partager la parole. Qui saisit? Je t'exhorte, si tu es déjà en assemblée, crie à Dieu pour que Dieu vous exauce pendant que vous allez prier. Et que tes gens voient. Ceux qui sont exaucés, la semaine prochaine vont amener d'autres. C'est la réunion qui attire les gens dans les assemblées. S'il n'y a pas les gens qui viennent dans les assemblées, c'est parce que vous avez échoué à le faire. Imaginez que je suis dirigeant d'une assemblée. Imaginez que je suis dirigeant d'une assemblée. Je fixe un jour, je dis frère, vous venez ici. Si je mets ça, ma camba risque de se retrouver. Tout ma camba risque de se retrouver dans cette assemblée. Parce que les gens ont des problèmes. Et s'ils savent que Dieu exauce. Ils comptent pour gagner le maximum. Tu as compris. Si quelqu'un veut prier, le temps est fini. Si quelqu'un veut prier, qu'il se lève. Data, tu l'as aussi mis moi. Avant qu'on puisse faire ça, personne ne sait. Data, tu l'as aussi mis. Tu l'as encore en ligne. Au tout prix, maso. Tu l'as aussi mis. Tu as fait comme une gueule. Tu as fait comme une gueule. Tu as fait. Oh, mamma, da gustato ci come che ti c'hai, mamma, da racciuia c'hai. Qui per mi fare da mi cicana per mi secash. Cada io che non mi so rotta tarne, ma anche di che non al mano. Mamma, da gustato ci come, ma si ci come poi. Un cuore, mamma, arrive. Un cuore, basta un sciose, un tavolo, un sciascia. Fitta il gruppo, un suo, mi dica che per la fascicchino, non un tavolo. Mamma, bene, ci te che lo so cisa. Intama waduhaye ko ntigeze nitwararika umukuku waduhaye ndakwinginze kandi agutaka mbere gose papa umbabarire gose mbabarira gose kuko narahemutse kandi narahemukiye ishengero ndagutaka mbere gose papa umbabarire gose notre Dieu kandi ndasenze ubwa ngo umwemo wangendere ashoboze gushyira mu ngiro buno buzima mama ndakwinginze gose papa ureke umwemo wawe ashoboze guhera uno munsi. Une réunion de prières ferventes pour les besoins des frères. Des partages à travers laquelle Dieu va déverser les bénédictions sur les saints. Prions ensemble. Pendant que les frères vont se réunir dans la prière et le jeûne pour porter les fardeaux les uns des autres, que Dieu exauce, que Dieu visite massivement les assemblées et exauce les prières telles que de partout il s'annonce.
que Dieu exauce les pieds, que les gens affluent dans les assemblées. Tu sais que vous rindouez. Que Dieu chaque semaine vienne à la rencontre des frères quand tu partages le fardeau pour exaucer de manière à ce qu'il soit connu. Qu'il exauce les prières de son peuple. Et que les gens affluent dans les assemblées pour leurs besoins. Prions ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Moi, bien, ça vous aide à guider. Amen. Moi, quoi de quoi,